Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant de l'Iron Man Challenge. Nous sommes donc à l'épisode normalement 9, si je ne dis pas de bêtises, avec une toute nouvelle nouveauté spéciale 2017. Nous avons la webcam, bien sûr, bien entendu. Histoire que vous puissiez vous rapprocher, bien sûr, de votre commentateur absolument génialissime. Excusez-moi pour le décor derrière, hein, parce que, bon, voilà, je fais comme j'ai pu pour que ça soit le moins dégueulasse possible. Du coup, l'Iron Man Challenge, où est-ce qu'on en était? Nous étions donc level 13. Nous étions level 13. Nous avons résolu l'enquête du meurtre du... Comment s'appelle-t-il déjà? Je sais plus comment il s'appelle, bref. On a résolu l'enquête de Horatio Kane, qui nous a permis de découvrir que les défias préparaient une attaque contre l'Alliance. Santé d'ailleurs. C'est bon, je t'y coupe. C'est absolument dégueulasse ce qui vient de se passer. Alors, pour rappeler vite fait, l'Iron Man Challenge, c'est quoi? L'Iron Man Challenge, c'est un défi sur World of Warcraft. Un défi entre guillemets hardcore où je ne peux pas utiliser d'objets autres que des objets gris que j'ai loot par terre. Et je ne peux pas non plus. Je sais plus quoi. Bref, je peux pas faire d'instance, tout ça, plein de trucs. Tout est dans la description de la vidéo, donc allez voir. Vous allez voir, c'est assez dur en vrai. Hein. Donc là, on est level 13, ça se passe plutôt bien. Je ne peux pas utiliser de spécialisation non plus. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé de spé encore. Hein. Je suis toujours level 13. Quand on voit qu'on a vu, on a vu au tout début de la vidéo un démoniste passer en forme de démon. Donc ça veut dire qu'il veut dire ça se fait des monos. Moi, je n'ai pas le droit. Bah, nous sommes là. Dans l'épisode précédent, j'ai découvert que je pouvais invoquer ma monture de chauffeur que je n'ai pas utilisé pendant tout le mandat. Donc c'était plutôt problématique. Bon. Interrogateur, je suis seul là. Horatio Lane, cet homme est une canaille et il trempe dans les affaires aussi sales que mes sous-vêtements. Oulala. Écoutez-moi, l'ami, je donne rarement des conseils comme celui-ci, mais vous me semblez être quelqu'un de bien fiché le camp de la marche de l'Ouest. C'est trop gros pour vous, ce qui se passe ici. Tout ce que vous allez arriver à faire, c'est poser une tête sur le bio. Les temps sont durs, j'ai tué 10 gardiens de la moisson. Les 10 gardiens de la moisson sont celles-ci, qui sont aussi, bien sûr, pour ceux qui savent, une carte sur Hearthstone, une 2-3 qui ripop en 2-1. Un truc plutôt fort, hein, bien sûr, avant que les autres cartes arrivent. Les autres cartes des extensions arrivent. C'était une carte qui était très jouée dans les druides token à l'époque. Bref, tout ça n'a strictement rien à faire ici, on s'en fiche. Hein. Donc nous sommes là pour détruire les gardien des moissons. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, j'espère que le son de ma voix est plus fort que d'habitude, parce que normalement, il y a un petit changement à ce niveau-là aussi. Et tout est good. Tout est plutôt good. Le mec est level 26, d'accord, moi je suis level 13, donc en train de galérer à tuer mon gardien de la moisson. Heureusement qu'il ne les ripope pas d'ailleurs, sinon je serais plutôt mal. Bon, nous sommes donc au level 13, 13 et demi même, avec, bien sûr, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, du coup, ma barre de progression a droit à un petit peu d'XP supplémentaire, genre, j'ai quoi, j'ai 42% d'XP à 200%, donc c'est plutôt fat, ça va permettre de texte un peu plus vite. Et donc voilà, 2016, nouvelle résolution, webcam sur toutes les vidéos à peu près, normalement, au moins sur les Iron Man Challenge, je compte le faire à chaque fois. Je pense que Zell qui va s'y mettre aussi pour tout ce qui est au niveau de ses... de ces guides sur Pass of Exile, d'ailleurs allez les voir, ils sont vachement intéressants et ils sont hyper bien faits. Les dernières mises à jour sur Pass of Exile sont vraiment très sympas et qui est eu pendant le mois de décembre, et bah, il va vous expliquer ça en Ariane de temps, de manière claire et précise, bien sûr. J'espère que ma tête vous plaît, hein. Désolé si c'est pas le cas, désolé pour vous, hein, moi je peux pas changer ma pauvre tête. Bref, hein. Alors. J'ai le droit de looter les objets, bien sûr. Je n'ai pas le droit de les équiper, par exemple. Ceci, je n'ai pas le droit de l'équiper. J'ai le droit de ramasser mon courrier que j'ai dû avoir dans ma... Putain, ça fait un mois que je n'ai pas joué. Mais... On va essayer d'éviter les insultes aussi. Hein. Ça peut être cool pour 2016. Moins d'insultes sur les vidéos. Histoire que les gens plus jeunes puissent regarder. Ah oh, oui, ça me ferait plaisir, en vrai. En même temps, ouais. Nous en sommes donc au quatrième gardien de la boisson. Ça se passe plutôt bien. Je ne meurs pas. Hein. Je ne meurs même pas du tout. Nous avons notre éclair qui permet de faire un maximum de dégâts, maximiser notre DPS. Avec le coup, c'est triste que je puisse pas utiliser mon petit petite frappe primordiale qui se transforme en fouet de lave, je pense. Non, je suis presque sûr. Si vous prenez l'aspect amélioré,
Un sort bah, que je ne peux pas grader d'ailleurs en fouet de lave parce que je ne peux pas jouer Amelio, je ne peux pas utiliser de spécialisation. Je ne peux rien porter de plus. Bah tant mieux. Ça au moins je prends pas le stuff vert. Tiens, on va même pas le loot, on va delete le stuff vert. On va delete tout ce qui est vert, mais j'ai rien qui est vert, moi comme ça. Je vais essayer de regarder si c'est du stuff qui est meilleur que ce que j'ai. C'est triste de dire ça comme ça, bien sûr. Alors, maille, c'est pas encore pour tout de suite. Torse cuir. Bot 5 de défense, non. Ah, ça c'est mieux. Tiens, meurs toi. Bon plaisir. Très remarqué que j'ai pas hérité de la pierre des classes hein, pour faire l'Iron Challenge. Je pense que Shaman, je pourrais. J'espère bien m'en sortir au moins jusqu'au level. Jusqu'au level, comment dire, au moins 70. Ça serait cool. Enfin, déjà 60, ça serait vachement stylé. Donc là, on est bien parti. Là, ici, on va progresser dans la marge de l'ouest. On a découvert, bien sûr, que, comme je vous l'ai dit au début, que les défiards étaient en train d'essayer de prendre. Faut que j'utilise mon. Putain, mais faut que j'utilise mon Orion, quoi. C'est pas. Je suis vraiment pas dégueu. On va faire ça, on va mettre un gros kick sur cac. Voilà, nice. Que des filles sont en train de prendre possession de la marge de l'ouest. Ils vont attaquer sous la colline des sentinelles en essayant de corrompre les sans-abri. Ils vont porter le chapeau à Hurlevent. En même temps, c'est un peu de leur faute, mais je joue pas l'histoire de la marge de l'ouest, sauf si vous voulez la connaître. Enfin, j'ai un petit peu commencé dans l'épisode précédent, mais j'ai enfin, vraiment plein de choses que je ne vous ai pas expliqué. Il y a de quoi faire. Hop là, vas-y, meurs toi là. Pas plaisir. Attends. Je vais pas mes habitués. Moi, je suis à Bordeaux ici. Et franchement, il y a masse branche. En masse. Je sais pas, vous êtes où vous, mais. J'espère que ce n'est pas comme ça. Enfin, après, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça en toute la France et même en Belgique. Donc, c'est pas vraiment génial. Hein. Allez, gardez-moi, c'est pas plaisir. Meurs. Et j'en suis au 9ème. Je vais finir ma quête là sous. Hein. Je vais aller rendre l'objet de quête que j'ai looté aussi sur un de ceux-là. Oh merde, si tu veux. Bon, tant pis, laisse le faire. Laisse le faire parce qu'on a pas peur. Il n'a pas de bonus, ça ne sert à rien de purge. Je ne peux pas, pour ceux qui ne savent pas, je ne peux pas non plus faire d'instance, je ne peux pas faire de bon. D'instance et de donjon, c'est un peu la même chose. Le battleground, je ne peux pas faire le battleground non plus. Je ne peux pas avoir. Je ne peux avoir aucune altercation avec d'autres joueurs. Par ailleurs, c'est relativement triste. Désolé, j'ai un peu dans les kicks, c'est pas l'idéal. Donc voilà. 2016, pour toi public. Ma tête, sur toutes les vidéos, la tête de Zelk aussi. On a aussi d'autres projets qui vont arriver relativement sous, des choses un peu différentes de ce qu'on fait jusque-là. Enfin, en même temps, ils font des espèces de guides et des playthroughs, donc on va changer un petit peu, on va essayer de s'orienter vers des choses un peu plus un peu différentes. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, parce que nous ça nous fait bien kiffer, ça avance bien, donc vous aurez l'annonce d'ici très peu de temps. On vous mettra ça sur Facebook, sur Twitter. D'ailleurs, faut que vous y allez sur Twitter parce que je me suis mis un peu là. Et, je crois comment ça marche et tout, c'est cool. Voilà. Avec 23 ans, c'est pas utiliser Twitter, c'est un peu triste, mais maintenant je sais. Maintenant je sais. Donc, allez sur Twitter, rejoignez-nous, mettez des posts, mettez des commentaires, mettez-nous des likes sur Facebook. Quand il y a des posts, il n'y a pas beaucoup de posts sur Facebook, mais ça va venir. Tout ça va venir. 2016, nouvelle année. Nouvel investissement, nouvelle résolution. Et nouveau tout, nouvelle motivation aussi, nous sommes chauds patates pour vous apporter le meilleur en espérant pas mourir, putain. Ah oui, le principal de l'Iron Man Challenge, si je meurs, c'est fini quoi. Moi je suis en avancé comme un warrior, mais si je meurs, j'ai perdu. Enfin, c'est genre. Je peux rien porter de plus. Il n'y a pas un marchand, là, s'il te plaît, vas-y, tout qu'un marchand. Bon. Tout le bien. On va voir s'il y a un marchand. Je ne peux pas l'utiliser. Il n'y a pas de marchand. Si, il y a marchand, nice. Vous avez vu, si vous n'êtes pas au courant, écoutez les items qui au fil des gold, il y a un petit icône gold. Enfin, après, c'est un peu bête. Ah, il y avait un truc. Je voulais pas voir. Je pouvais manger un gâteau. Et d'ailleurs, bonne année, hein. Bonne année à toi, viewer. Qui regarde à cet instant la vidéo. Bonne année, bonne santé, tout le bonheur, la famille, tout ça, tout aille bien. Hein. Très important. Et joyeux Noël aussi, putain, parce qu'on a même pas mis de vidéo de Noël, ni de Nouvel An. On va se rattraper cette année, ça va être
Il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très très lourd. Appelez vos potes, appelez tout le monde. Histoire d'avoir un maximum de gens. Pour kiffer ensemble. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Bon. Est-ce que je suis drôle au combat de mascotte? Je sais pas. Sur le mascotte, mais on se la faire. Allez hop. Pokémon. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, mais j'ai un truc qui triche. On va changer de mascotte. Bon, c'est pas grave, on va lui péter sa gueule. Tiens, vas-y, meurs. Voilà, dans la bouche. Dans la bouche. J'ai un message. Bah, on répondra après. Plus important là. Plus important, c'est Pou. Et voilà, excuse-moi, Sander, tu es mort. Ah putain, mais je suis con, j'aurais pu la capturer, ça m'aurait fait une mission en plus. C'est trop loin. Ça me fait un peu d'XP, je pense, ça. Donc, on va dire que ça compte. Je sais pas du tout, faut que j'aille voir les règles, je connais pas toutes par cœur. Mais, on va dire que ça compte, parce que je me rappelle pas avoir vu de règles sur une mascotte, parce que, en fait, l'Ironman Challenge a été créé sur, je pense, je dis pas de bêtises, enfin, je sais pas, il a été sur Walk. Sur Wrath of the Lich King. Stylé. Et dire du lourd pour les gens, très très lourd, très très lourd à venir aussi, parce qu'on espère amener l'Iron Man Challenge jusque là. Et je ferai des vidéos de contenu aussi sur je pense que je vais vous faire le pexing de 1, 2, 3, je vais y arriver, de Légion. Donc ça viendra septembre prochain. D'ici là, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter, mais... Oh là là, le mec a la mémoire, quoi. Ça va être intéressant. Et j'espère que vous avez passé un bon réveillon, qui revient dessus un quart d'heure plus tard. Nouvelle journée, ça vous a bien fait la fête. Pas trop bu. Pas trop bu, pas fait une bêtise. Et oui, rejoignez-nous Twitter, sur Twitter. Twitter, c'est Geeko01. Facebook, c'est Gecko... c'est Geeko01 sur Facebook, sur Twitter. Et Vince et Zel sur Facebook. Vince et Zel sur YouTube. Faites passer à vos potes, à vos friends, à tout le monde. C'est histoire d'avoir un maximum de personnes. Ça va, nous progressons. Nous restons dans la marche de l'ouest. C'est un peu long quand même, hein. Enfin, je veux dire, putain. Nice, on peut développer. Est-ce que j'ai une nouvelle compétence? Ouais, mais le reste, ça me sert pas trop, quoi. C'est trop loin. Je dois me rapprocher. Ah, intéressant. Mais Carmine, hein. Je suis pas allé au Carmine. Vous voulez que j'ai eu Carmine? Est-ce que je veux Carmine? Je sais pas, parce que c'est level 15. Quel level est Carmine? Level 15, ouais, donc on va attendre level 15, parce que là je vais être un peu en galère si j'ai maintenant. Je suis à poil total. Ça vient de retourner la fin de cet épisode. Putain, mais le temps passe tellement vite. On joue, j'ai fait 3 quêtes et demi et on a déjà fait un quart d'heure. Du coup, à venir. Du pexing sur les jeux. Des guides de la part de Don Consell. Et il y a un nouveau projet. Je vous en parlerai dès qu'il arrivera à terme. Je dois me rapprocher. C'est encore nouveau, mais différent. Ce sort n'est pas encore prêt. Différent cette fois. Quelque chose de plutôt fatasse, plutôt drôle. Le plus important, c'est que ça soit drôle. Donc tenez-vous au courant, encore une fois, Facebook, Twitter, c'est toujours Google Plus si vous voulez, mais Google Plus, à part les informations, enfin, on va dire, je sais qu'on met pas beaucoup les gens Twitter, Facebook, mais alors Google Plus, heureusement ça se m'ajoute tout seul. Du coup j'ai mangé un gâteau, mon estomac va avoir une... Je suis hors de portée. Je vais tuer les piafs. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Voilà, mange, putain, je peux pas parce qu'il passe derrière mon dos. Ça va, je fais un coup de bâton dans la tronche. J'aimerais bien avoir une nouvelle arme. Enfin, en vrai, j'aimerais bien avoir une nouvelle arme. Je prends galère au niveau des dégâts là.
suis un peu en galère. Je suis un peu en galère au niveau des dégâts. J'espère que je dépasse pas au-dessus de la caméra parce que je suis grand en vrai, donc pas si je dépasse. Très cool. Ouais. C'est toujours en cours de recharge. Je suis beaucoup trop grand, cette caméra. Bon, alors 2 contre 1, est-ce que je peux me les faire? Espère en cuir. Ouais, des moves 15, nice. Si j'ai un move fantôme, ça c'est pas grave. Ça meurt. Hop, celui. Pour les Manorian, on décale. On continue la progression. On trouve la terre. Ah, il. Je dirais sèche, mais il est en train de pleuvoir. De cet endroit. Je dois d'abord choisir une cible. Finir la quête et puis je vous laisserai là dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour mon ami, bienvenue chez nous. On dirait que vous êtes une sans-abri. On va se faire passer pour un sans-abri. Nice, pour découvrir ce qui se passe. Ce qui se trame. Les confins de la marche de l'ouest. Je dois me rapprocher. Vachement intéressant en vrai. Si vous avez jamais eu les quêtes de haut, lisez-les. C'est. Ça vous permet franchement d'avoir un renouveau sur le jeu. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Parce que c'est vraiment que j'y joue, hein. Malheureusement pour moi. Je n'ai pas de cible. C'est que. À partir d'un moment, vous commencez un petit peu à tourner en rond. Donc franchement, refaites un personnage, lisez les quêtes, prenez votre temps. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous avez ratées. Enfin, c'est après si l'or vous intéresse. Hein. Si l'heure vous intéresse, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment hyper intéressant. En général, surtout ceux qui ont joué à Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3 qui sont intéressés par l'heure de World of Warcraft. Ce que je comprends d'ailleurs. Je comprends pourquoi certains ne sont pas intéressés. Mais en tout cas, je vous le conseille. D'ailleurs, Warcraft 3 aussi, je vous le conseille. Alors, faut-il faire? C'est trop loin. Moissonneur NHC. Réveille un golem. Là, hein. Wouhou! Je suis hors de portée. Je ne peux pas encore lancer. Bien, je te pète la gueule, moi. Hein. C'est toujours en cours de recharge. Et voilà. Nice, golem des moisses. Je ne suis pas encore prêt. C'est toujours en cours de recharge. Allez, on y va, on y va, on y va. Mourez, mourez. Mourez, les copinous. Mourez. Ce sort n'est pas encore prêt. Pour une trajectoire les plus simples. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Passons par là. Voilà. Je meurs. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Plutôt le petit. Oh merde, fuck. Je dois me rapprocher. C'est toujours en cours de recharge. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Je peux pas encore lancer ce sort. C'est bien dommage. Allez, c'est parti! Je ne peux pas encore lancer ce sort. C'est parti! Je suis hors de portée. Ce sort n'est pas encore prêt. Massacre le golem des moissons. Et nice, on a fini, les gars. On a fini. On va aller rendre les quêtes. Je vous quitterai là-dessus. Alors, on va essayer d'utiliser ça pour aller plus vite. Au niveau 15, on chopera le loup fantôme. Qui va nous permettre de déplacer plus rapidement, mais après, encore une fois, j'ai une monture qui me permet de me déplacer rapidement, que je n'utilise jamais. Que je devrais penser à utiliser plus souvent, parce qu'elle est quand même vachement pas. C'est un peu cheaté de base, hein, d'avoir une monture level à la base, 60%, c'était level 40. Je sais plus, ouais, je pense. Ou 20. Non, 20, c'était après. 40, 30. Je sais plus, bah, truc comme ça. Tellement de temps. Maintenant on l'a délevé. Hein. Voilà. Plus je me fais comme lui. Salutations. C'est évident. Vous voyez tout ça là, on peut pas les mettre. Donc on va prendre le plus cher. 2,53. De la lumière vous bénisse. On va lui vendre mes brolles. Et voilà. Allez dans le nœud. Ouais, il y a plus tard. Salutations. Intelligence, agilité, cuir. 1,90, 1,98. Allez hop. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette nouveauté vous plaît. Parce que ça apporte un peu plus d'interaction directe avec vous.
ben voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Parce que moi, ça vous plaît bien, ça va. Allez, dans l'honneur. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Un plaisir de vous rencontrer. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bon voyage. De l'Iron Man Challenge, épisode 10. Parce qu'on a déjà fait. Le 7, c'était on sortait l'île au panda. Le 8. Est-ce qu'on faisait le 8 ? On commençait la marche de l'Ouest. Le 9, c'est celui-ci. Le prochain épisode, c'est le 10. On était déjà 10, faut que j'y vais. Prends une seconde. Je pense qu'on est déjà. Je pense qu'on est 9. On va dire que c'est le 9. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.